On arrive dans notre première visite de ville dans les Ardennes. Rocroi, vous connaissez vous Rocroi? Eh ben non, nous on connaît, enfin moi je connaissais pas. Elodie non plus, elle avait entendu parler d'une bataille. Eh ben on va aller voir cette ville maintenant qui est devant nous. C'est une cité Vauban, évidemment. Oui, mais elle est spéciale. Alors qu'est-ce qu'elle a de spéciale? Elle est centrée avec 10 bras. Et ben, ça c'est très très bien. Ah! C'est que ici qu'on voit une, ça. Une en Italie. Bon. Dis que dans cette ville, c'est l'aire de camping-car où on est, qui est très spacieuse, gazonnée, en partie plate, et donc très très proche de la ville pour la visiter. Là, t'as une sacrée double. Hein. Ouais, je vais pas passer par là, tant pis que ça se tourne les pieds. Bon, il faut retourner dans les remparts. La balade sur les remparts est très agréable, très bucolique, et on a une belle vue sur tout le paysage. Et puis bon, avant de partir, on va faire quand même un petit tour dans le centre-ville avant de reprendre la route et d'aller toujours à la recherche de sangliers qu'on n'a pas vu ici, mais qu'on verra peut-être plus tard. Alors allez, allons-y. Encore pas vu de sangliers. On vient de sortir de Rocroi et on est toujours à les Ardennes et on va se balader maintenant dans les méandres de la Meuse. C'est beau, donc on va y aller passer quelques jours en attendant qu'il pleuve pas, peut-être, parce que pour l'instant il pleut et il fait froid. Il est là le sanglier. Il est où? Ah ouais, il est sur le mur. Dans 150 on avait un sanglier. Et ben on est maintenant au bord de la Meuse et ben on est accompagné de quelques cygnes qui viennent voir si on n'a pas quelque chose à leur donner, parce que j'ai l'impression qu'ils ont l'habitude de recevoir des bricoles. On va aller faire un tour dans le village. On est ici à fumer et puis on peut aller se promener. Là c'est la voie verte, non? Bah va jusqu'à où? Bah très haut quand même. Jusqu'à J'y vais, mais j'y vais pas. Et après on va descendre en camion jusqu'à Charleville. Ah oui, on va redescendre et suivre la Meuse pour aller à Charleville. Mais on va peut-être s'arrêter là avant. Bon, et ben voilà, ça nous fait un petit programme. Bon, ben nous on va aller marcher par là, faire le méandre. Peut-être qu'on pourrait le faire en vélo. Hein. Bon, ben finalement, c'est en vélo qu'on va le faire. On va faire les bords de la Meuse sur quelques méandres. Allez, la piste cyclable, elle est à droite là. On est dans un des plus grands méandres de la Meuse. On est bien là. Il fait même pas frais, il fait juste comme il faut. Un peu gris. Allez, on arrive au village suivant. On n'a pas fait grand chose, on est parti de là. Pour faire ça, on est ici, là. Et on est dans un pays qui s'appelle Ebès, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et puis là, il y a un petit bateau-restaurant. Bon, on va se renseigner quand même. Bon, renseignement pris, on peut pas aller manger sur le bateau parce qu'il faut réserver longtemps en avance, c'est déjà tout plein. Et là, c'est une croisière avec visite sur l'eau et même d'une brasserie. Enfin bref, c'est pas pour nous. Finalement, comme on n'a pas pu aller au restaurant sur le marché, il y avait un vendeur de poulet. Et on s'est acheté un petit poulet bien rôti et puis on va acheter du pain du pays. Ben voilà, Elodie qui part acheter du pain et qui revient avec des pâtisseries. Oui, je suis allée pour les tartelettes aux myrtilles, la spécialité du coin. Bon, ben, spécialité. Je sais pas comment je vais les emballer.
Oui, et ben ça, c'est une autre affaire en vélo. Hein. Les tatourmitilles, on va peut-être avoir de la confiture au retour. Elles se sont fait écraser, cette arbalète, dans le transport en vélo. Et eh ben non. Miam, miam, miam. Ils ont l'air excellentes. Ils n'ont pas économisé les myrtilles. Hein. Repas, on a les bateaux qui passent sous les fenêtres du camping-car. Et aujourd'hui, on est arrivé à Monthermé. On est toujours dans le parc régional des Ardennes. On a fait les boucles de la Meuse avec le camping-car ce matin. Ah puis c'est super hein, pour les camping-cars d'ailleurs, parce qu'il y a des aires de partout, de stationnement gratuit. S'il y a un coin où vous pouvez venir pendant l'été, et ben c'est ici. Enfin, peut-être que c'est parce qu'il pleut, mais il n'y a pas grand monde. Enfin si, il y a beaucoup de Belges, de Hollandais et quelques Allemands. Et des Français, pas trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors, on est où là-dessus? Mais recroisez où on était. Ah oui, là on est à Monthermé, là ici. Ah oui, nous on a fait ça ce matin, on a suivi les boucles. Ah oui, on a suivi les boucles. Et là on va faire une randonnée. Ça va être sûrement là-haut. Et le plan il est... Il n'y est pas. Il n'y est pas. Si, on va aller à Roche-Longue, Roche à 7h. Donc ça, il va falloir grimper là-bas en haut et faire la ligne de crête et redescendre. Et tout ça avant la pluie. Avant la pluie, parce que... Et avant tout départ, il faut un bon café. Et dans un joli cadre. Nous, on va aller là-bas, sûrement. Et puis la ligne de crête. Et puis on va aller à l'autre drapeau là-haut. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ah, ça y est, elle recommence. Esprit de contradiction. La balade commence par le bord de la Meuse avec des crottes de bernaches. Parce qu'on a vu déjà des bernaches au bord de l'eau tout à l'heure. Et puis là-bas d'ailleurs aussi on en voit. Bon ben nous c'est pas les bernaches qu'on va voir. C'est les sommets. Les points de vue. Les points de vue. On va vous montrer d'en haut. Allez, à tout de suite. Ah, on attaque une montée dans les bois, sympa. Avec le schiste, qui est la caractéristique géologique du secteur et des carrières de schiste. Les carrières d'ardoise, je crois. Ah, on commence à être essoufflé. On a fait 3 pas. Oui, mais c'est que ça fait longtemps qu'on n'a pas marché, on n'a fait que des petites marches. On a arrêté nos marches de 10-15 km par jour là, depuis quelques temps, on a dû prendre 3 kilos entre temps. On a bien grimpé jusqu'à maintenant, et puis comme on arrive sur un replat là, et qu'il y a des voies qui semblent être des voies circulantes voitures, c'est qu'on n'est pas loin d'arriver. On va faire la ligne de crête maintenant, peut-être encore on monte un peu et après ça. On n'est pas censé arriver sur un point de vue là? Ben bientôt, au point 5. On n'y est pas encore. Mais ça va, on est monté sans problème. Sans problème? Bon, on n'est pas à 4 pattes. On n'est pas à 4 pattes, non. C'est encore accessible, même pour des gens qui ont pris 3 kilos. En plus, on n'a pas pris 3 kilos. Ouh, t'es maigre, oulala. Eh, les sangliers, ben, on les voit pas. Faut dire, bon, je crie un peu, mais d'habitude, je crie pas. Et on les voit pas quand même. Alors, si c'est ça, les Ardennes, il n'y a pas de sangliers. C'est plus les Ardennes, quoi. Là, j'en vois un, là, oui, oui, là. Tu trouves ça drôle? Et on cherche des traces de sangliers. Vous voyez des traces de chiens, d'hommes, de tracteurs, d'Elodie, mais pas de sangliers. Pas trop de champignons non plus. Enfin, sauf ceux-là qui sont déjà bien consommés. Mais bon, pourtant, c'est humide. Il manque peut-être un peu de chaleur. Ça finit pas de monter, quoi. Ah bon, je croyais que c'était facile. J'ai pas dit que c'était facile, j'ai dit qu'on n'était pas à 4 pattes, on est toujours pas à 4 pattes. Dans pas longtemps. Ça continue à grimper quand même, lentement mais sûrement. Et on arrive au point de vue, ça y est cette fois. Là, on dirait que c'est accès interdit. C'est dommage parce que c'est l'endroit qu'on cherchait à voir. Ah oui, on
On voit le méandre de la Meuse. Ah ouais. Où tu vois le bateau à l'écluse? Hein? Ah non, c'est pas le bateau à l'écluse. Ben non, c'est pas le bateau à l'écluse. L'écluse, elle est vide. Par contre, on voit les camping-cars. C'est une aire qui est au bord de la Meuse. On voit Curiosity. Et on voit Curiosity. C'est le dernier camion là-bas au fond. Ah, c'est chouette. Ça valait le coup. Ah oui, ça valait le coup. Vu d'en haut. On va aller faire le deuxième point de vue maintenant, en suivant la ligne de crête. Peut-être. Oui, on est là. Ah là là, on a encore un bon parcours à faire. Parce que nous, on va de l'autre côté, là. Oui, mais il y avait des escaliers, là. Peut-être qu'on peut couper le truc de la ville, on s'en fiche. D'accord, on va voir. On va voir. Ah ben, on est arrivé au point du le plus haut de la de cette partie, et cette fois on voit la Meuse presque le méandre dans sa totalité. S'il n'y avait pas les branches, on les verrait. Et va à notre objectif du jour, la roche à 7 heures. La roche à 7 heures, ben pourquoi ça s'appelle roche à 7 heures? Parce que c'est le nom que l'on a donné à cette roche, parce que c'est à 7 heures que lorsque la lumière arrive au lever du soleil, la brume se déchire et donne un éclat particulier. Ben, on va pas le voir aujourd'hui parce que ben, la brume, on l'a pas. Et on n'a pas le soleil. Et voilà l'autre point de vue de la roche à 7 heures. Eh ben, il n'y a pas de brume, il n'y a pas de soleil, et puis c'est pas le lever du soleil non plus. Mais voilà, si vous êtes un jour par ici, ben c'est venir ici le matin, avant le lever de soleil, et voir le lever de soleil. Oh, le soleil sort! Il pousse les nuages. La balade se termine par un grand escalier. On retourne à la civilisation. Ouf, on est arrivé avant la pluie finalement. Ben, vous ne verrez pas mouillé, mais il pleut abondamment maintenant. Heureusement, le lendemain il ne pleut plus et on peut reprendre la route. On est à Charleville-Mézières et aujourd'hui on est garé dans un parc qui est pas mal là. Il y a pas mal de camping-cars quand même un peu serré, mais bon, pour visiter la ville ça va aller. Aujourd'hui on va, en fait, puisqu'il peut pleuvoir, on profite pour aller dans les musées. Et aujourd'hui c'est musée Rimbaud. Et peut-être aussi musée des Ardennes. On a un pass en fait pour y aller aux deux. Et là on cherche une passerelle pour passer la Meuse, pour aller de l'autre côté, parce que c'est là-bas qu'on va. Où tu vas marcher dans l'eau? Voilà la passerelle qui nous amène au musée Rimbaud. Et en ville. Musée Rimbaud, il est juste là. Ce musée consacré au poète dans sa ville natale est installé dans un ancien moulin au-dessus d'un bras de la Meuse. Alors, on accède au troisième niveau et on descend pour faire tout le tour du musée. Alors, c'est assez spécial quand même comme ambiance. Là, on entend des poèmes en fait en étant assis sous des haut-parleurs. L'air est parfois si. C'est rigolo que des. En fait, ils sont dans toutes les langues, alors du coup, c'est un peu la cacophonie. On descend en deuxième, on va voir ce qu'il y a en deuxième. Je devins un opéra fabuleux. Je vis que tous les êtres ont une fatalité de bonheur. L'action n'est pas la vie, mais une façon de cacher quelque chose. Et il a fallu juste traverser la rue pour aller voir la maison où il a vécu. Et on arrive maintenant au musée des Ardennes. La visite du musée est très agréable et complète, et on a quand même une petite surprise à vous montrer. Regardez ça. Le musée des Ardennes et visiter la partie archéologique pour voir que les sangliers, ben, ils existent.
Voilà. On a vu notre sanglier. Puis oui, c'est plein d'autres animaux, mais bon. Mais il est temps d'aller faire un tour au centre-ville parce qu'on a aussi une petite idée gastronomique. Voilà la place Ducale. Place Ducale, c'est une très jolie place. Charleville-Mézières plage, voilà. Donc on a un mini-golf, un beach volley, et puis sûrement là, une piste de danse. C'est rigolo. Mais on a ici une bistronomie, Michelin 21. On va voir ce que c'est. Ça a l'air très sympa. En tous les cas, c'est un joli décor. On est les premiers. On va voir ce qu'on va manger. Hein. Ah, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dedans? La dorade au champagne et au chorizo. Ça a l'air bon. Et ça, c'est quoi? Un petit feuilleté au maroil. Et en dessert Un opéra, je crois. Bon appétit. Un excellent restaurant à conseiller, c'est super bien et super bon. On vient de passer un excellent moment dans ce restaurant, super, on est bien accueilli, on est bien servi et c'est très bon. Très, très bon. Après la visite de Charleville-Mézières, on est maintenant arrivé à Sedan. Et à Sedan, qu'est-ce qu'il y a à voir? Le château. Hein? Les dentistes. Et pour une fois, c'est pas un château de Vauban qu'on va visiter. Un peu plus costaud. C'est du costaud, mais c'est de l'ancien, mais du l'ancien costaud. Hein. C'est le château du 15e. Le plus gros château d'Europe fortifié. 15e siècle, je crois. En tous les cas, on va aller visiter et le château et le musée. On va vous montrer ça. C'est en 1424 qu'Évrard de la Marck a fait construire ce château. Ce château triangulaire fut agrandi, renforcé par ses descendants. Il occupe alors 35 000 m² de superficie. En 1642, le château passe à la France. L'armée française l'occupe durant 320 ans. Et en 1962, la ville le racheta pour un franc symbolique, afin de ne pas le détruire. Et il s'en est fallu de peu qu'il disparaisse à une voix au conseil municipal. Et voilà, on quitte les Ardennes. On n'a pas vu de vrai sanglier, on a vu que des images de sangliers. Et maintenant, on continue la route, on va descendre vers les Bauges. Alors, on continue la route. On vous dit bye bye. Et on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous, bisous.